Aménager un jardin, c'est penser à s'y déplacer de jour comme de nuit. Nous déroulons un câble très basse tension en le glissant sous les lames de cette terrasse en construction. Les connecteurs sont réservés là où seront nos lampes à LED. Ici, par exemple, on perce à la scie cloche la terrasse pour y passer le câble d'une lampe que l'on visse au connecteur. Ce réseau bénéficie d'un indice de protection IP68. Le premier chiffre donne son étanchéité à la poussière, le deuxième son étanchéité à l'eau. En extérieur, c'est minimum IP44, mais ici, en proximité de piscine, c'est IP68. Toutes les lampes sont connectées en série, vissées, puis le câble est relié au transformateur qui convertira le 230 volts d'une prise de la maison en 24 volts continu pour le jardin. Largement suffisant et économique pour retrouver son chemin dans la nuit.